Honorable Assemblée Badibanga, bonjour. Bonjour. Ici au Kasaï oriental, après plusieurs mois, passés principalement à Kinshasa où vous exécutez vos travaux en tant que parlementaire, pourrions-nous savoir quel bon vent vous amène dans votre province d'origine? Bon, j'ai fait partie du voyage présidentiel. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu déjà que je vienne avec lui dans son avion. On a commencé la mission par Kananga. Et après Kananga, nous sommes venus en Mbujimayi, où nous avons assisté à la manifestation du 25e anniversaire de l'évêque Bernard Kassanda. Et ensuite, je suis resté pour une mission qu'il m'avait confiée. Et d'autre part, j'avais prévu de vivre personnellement ce qui se passait non seulement en Mbujimayi, mais dans le Kasaï oriental en général, et aussi particulièrement dans le territoire de Katanga, dont je suis originaire. Au territoire de Katanga, parce que vous avez, vous en parlez, c'est un territoire, plusieurs laissés, qui est tout le temps déchiré par les conflits des communautés. Pourrions-nous savoir, vous en tant que leader du coin, comment s'est portée cette entité là-bas? Ben effectivement, comme vous le dites, il y a quelques soucis, il y a quelques conflits entre différentes communautés. Il y a aussi quelques conflits entre chefs coutumiers. Il y a des doublons qui existent à travers différentes tribus en termes de chefs coutumiers. Et donc je voulais justement en savoir un peu plus en discutant avec le chef coutumier, en discutant avec la communauté, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller vers la paix. Parce que sans paix, avec l'insécurité, il n'y a pas de développement possible. Et on voit très bien que ce territoire se meurt et qu'il faudrait effectivement faire quelque chose. Il n'y a pas seulement le problème sur le plan de l'insécurité, mais on voit aussi que ce territoire perd sa qualité de centre économique ou même commercial par rapport aux autres territoires, que ce soit en Mbujimayi, que ce soit à Kabeya Kamwanga, que ce soit à Miabi. On sent qu'il y a une vie et que le commerce, il y a une circulation, il y a un commerce, mais dans cette province, il y a quand même une déliquescence qu'on sait voir à plusieurs mètres. Je ne suis pas seul, il y a plusieurs politiciens aussi qui ont décidé de venir un peu au secours de cette province qui se meurt. Nous faisons de notre mieux, nous travaillons à plein temps en s'engageant complètement pour que le chef de l'État puisse avoir un deuxième mandat. Aussi parce que nous pensons que si dans les 5 ans à venir, en tout cas c'est ce que je pense, si dans les 5 ans à venir on n'arrive pas à mettre cette province sur le bon chemin pour relancer le développement de la province, dans les 20 années qui suivent, je crains qu'on soit sur la voie de la disparition. Les élections pointent à l'horizon, Sami Badibanga Ntita. Pouvons-nous savoir, serez-vous candidat? Si oui, dans quelle circonscription exactement? Oui, je serai candidat, ça c'est clair. J'ai reçu une grosse demande des autorités de Katanga et là je l'ai vécu avec la communauté qui me l'a aussi demandé. Donc je serai candidat à Katanga. Pourquoi pas Kinshasa où vous avez été élu en 2018? Kinshasa, je peux le faire, ça ne pose aucun problème. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la province aujourd'hui a besoin, je crois, d'un plus grand nombre de personnalités qui peuvent jouer un rôle dans la relance et dans le développement de ce coin. Un seul siège à Katanga, êtes-vous sûr de l'emporter? Ce n'est pas un problème. On a une petite expérience des élections. On va y aller. Dans certains territoires, on remarque même qu'il y a une baisse, pardon, de nombre d'enrôlés.
Prenons le cas de Katanda, vous m'avez posé la question avec un siège, mais Katanda avait deux sièges, se retrouve aujourd'hui avec un siège, à cause des conflits sans raison entre des personnes, parce que ces conflits-là, je ne pense même pas, en partant des premières informations que j'ai reçues, ce sont des conflits, j'allais dire, de personnes, plutôt que des conflits d'intérêts réels par rapport aux populations. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait relever et demander à la population du Kasaï oriental d'en tenir compte. On ne demande pas à tout le monde de faire de la politique, mais il y a ce qu'on appelle le devoir citoyen, c'est-à-dire de suivre les activités de la contrée, de suivre les activités de la province pour pouvoir remonter non seulement en nombre, mais aussi en activité, pour pouvoir avoir toute sa place, j'allais dire, dans la République. Il ne faut pas demeurer parmi les peuples minoritaires. Mais parce que vous dites que c'est un conflit de personnes, qu'est-ce qu'il faut alors faire pour mettre terme à ce conflit de Katanda qui n'a que trop duré? Dialoguer, il faut beaucoup dialoguer avec différentes personnes. Il faut aussi, au niveau du gouvernement de la province, donner les documents nécessaires aux chefs coutumiers reconnus, donner l'avis favorable aux chefs coutumiers reconnus, et enfin, il faut qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on délivre les arrêtés aux chefs de groupement reconnus. Et ça, ça va beaucoup aider ces différents chefs, parce qu'ils se plaignent aussi en disant que les politiques se mêlent de leurs affaires et que ce sont les politiques, au niveau surtout de la province, qui sont en train de susciter des doublons, de susciter de nouveaux chefs coutumiers en fonction de leurs intérêts par rapport aux élections à venir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les élections. Je ne suis pas venu que pour les élections. Les élections font partie d'une démarche dans laquelle je me suis lancé. La démarche où l'intérêt ne peut pas être que personnel. La démarche et l'intérêt est personnel par rapport au territoire, par rapport au mandat, mais la démarche aussi est le résultat d'un plan sur un intérêt provincial, comme nous avons dit tout à l'heure, pour relever, participer à la relève de la province en mettant la main à la pâte, et en dernier, participer à cet intérêt de la République qui est notre patrimoine commun. Et donc c'est toute une démarche. Il y a d'autres politiques qui peuvent se limiter à un seul intérêt, mais je crois qu'avec la petite expérience que j'ai, ce niveau-là, nous l'avons un peu dépassé pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et une perspective qui peut mener la province dans un meilleur état, s'il vous plaît. Vous voulez y aller avec votre plateforme, les progressistes? Vous êtes venu au Kasaï oriental, peut-être que Kinshasa, ça va déjà mieux parce que vous y êtes. Comment aviez-vous trouvé l'état de votre plateforme ici au Kasaï oriental? On a démarré il n'y a pas très longtemps dans le Kasaï, et donc on est en train de prendre l'envol. Je pense qu'on va exister, on va remplir toutes les cases concernant les sièges, que ce soit à la députation nationale ou à la députation provinciale. On aura des candidats de qualité qui ont un potentiel et qui feront de leur mieux pour que le regroupement puisse exister au niveau du Kasaï oriental. À une question de Nicolas, vous avez dit que le Kasaï oriental est détérioré. Alors, que faudra-t-il faire exactement pour relever le Kasaï oriental? On sait que Sami Badiba Ngantita ici, c'est Mbalawa Chitolo, son passage à la primature. Que faudra-t-il exactement faire pour que le Kasaï oriental relève sa tête? Je ne suis pas là pour vous donner des leçons.
Il y a quelques autorités qui ont déjà donné quelques projets. Il y a des travaux qui sont en cours. Mais je crois que le centre de gravité de Kasaï Oriental a toujours été l'AMIBA. Et il faudrait travailler sérieusement pour qu'on puisse relancer l'AMIBA. Ça, c'est un premier point. Vous allez certainement me poser la question à savoir comment relancer l'AMIBA. J'ai été dans les mines à l'époque. J'en connais quelque chose. J'ai eu à signer des contrats avec l'AMIBA à l'époque où on avait créé une société en joint venture avec l'AMIBA qui s'appelait Lubilanji Mining, que je dirigeais. Et dans la joint venture, il y avait l'AMIBA et le premier midi mondial qui était BHP Billington à l'époque. Et donc, en gros, si je peux parler de l'AMIBA, aujourd'hui l'AMIBA, le Kasaï Oriental d'abord, comme vous le savez, a subi et a financé la guerre. Ce qui a eu comme conséquence l'état actuel où se trouve l'AMIBA. L'État congolais détient 80% de l'AMIBA. Or, pour relancer l'AMIBA, il faut des fonds propres. Il faut des nouveaux fonds qu'on doit mettre au niveau de la société. L'État congolais a quelques difficultés, vous le savez. Et je pense que la meilleure solution serait de laisser d'autres privés prendre aussi des parts dans l'AMIBA, où l'État peut soit garder la majorité des parts, ou sinon avoir ce qu'on appelle une minorité de blocage. Ou encore avoir une autre formule où la gestion peut être privatisée pendant le temps du crédit que va apporter la société ou les sociétés qui vont acheter des parts au sein de l'AMIBA, pour pouvoir couvrir non seulement le passif de l'AMIBA, mais aussi entrer dans l'actif et pouvoir relancer l'outil de travail, couvrir les dettes que l'AMIBA a, notamment par rapport aux employés, par rapport aux fournisseurs, et aller dans une nouvelle relance. Pour y arriver, il y a un élément majeur, je crois, sur lequel nous devons miser, c'est la certification des réserves de l'AMIBA. Et c'est à partir de là que tout peut redémarrer. Au-delà de l'AMIBA, vous avez le secteur de l'énergie. Il faudrait travailler sur l'énergie. C'est vrai que nous avons tout le barrage de Tchala qu'on peut relancer, mais aussi créer d'autres petits barrages qui peuvent servir non seulement à la province par rapport aux différents minerais qui ont été découverts, mais aussi des barrages qui peuvent, par le transport de l'énergie, arriver à fournir aussi le Katanga, où il y a plusieurs miniers qui ont besoin, il y a un déficit énergétique dans ce coin-là. Et enfin, il y a la partie agricole, bien évidemment, travailler d'abord pour l'autosuffisance alimentaire au sein de la province, mais aussi pour aller plus tard dans l'agroalimentaire, donc pour pouvoir exporter notamment nos produits. Et pour ça, il faut réhabiliter les routes de desserte agricole qui, à mes yeux, sont une priorité. Honorable sénateur, vous venez d'une tournée qualifiée de paix et de fraternité dans le territoire de Katanda. À l'issue de ce contact avec la population locale, quels sont les problèmes majeurs que vous avez pu arracher de la population? Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement les conflits au niveau des chefs coutumiers, au niveau des communautés. Deuxièmement, c'est, je n'ose pas dire le mot, mais l'état de détérioration, la vie quotidienne même des populations qui a atteint un niveau où il n'y a que des personnes sans cœur qui ne peuvent pas y attirer une attention et particulière. Et les routes, aider à avoir des semences pour les différentes plantations. Parce qu'il faut commencer par la plantation familiale pour pouvoir atteindre enfin ces plantations agricoles pour atterrir dans un agroalimentaire qui pourra nous conduire vers l'avant. En tant qu'autorité morale de progressiste,
Vous avez quel écho, quelle image sur le travail battu par vos représentants sur place au Cassavantal? Un bon travail. Il y a le coordonnateur, le représentant des progressistes qui est avec moi. J'ai vu durant la tournée l'implantation qu'ils ont pu faire dans la province. J'ai vu ici en Mbujima et même le nombre de cellules qui ont été implantées. Je crois que pour un début, c'est un grand pas qui a été fait. Nous avons maintenant un siège qui a été mis sur pied et très vite, nous allons nous lancer dans les activités qu'il faut bien avant le mois de décembre. Et dans vos perspectives, qu'est-ce que vous comptez faire pour renforcer davantage l'implantation des progressistes au Cassavantal? Le même travail. Toute organisation nécessite un plan mathématique. C'est ce que nous faisons. Nous avons des cellules, nous avons des candidats qui vont se mettre à faire ce travail dans chaque territoire. Nous allons travailler avec les candidats à la députation nationale, provinciale et même au municipal ou aux municipaux pour pouvoir arriver très vite à atteindre les fins fonds du territoire. Si je vous demandais les faiblesses que vous avez personnellement, parce que vous vous connaissez mieux, les faiblesses qui peuvent vous empêcher d'arracher l'unique siège de Catalogne. Je n'en vois pas, j'ai toujours été optimiste. Nous travaillons par rapport au déficit que nous avons pour pouvoir le combler. Et donc, je ne pense pas que ça nous posera un grand problème pour remporter ce siège-là à Catalogne. Vous avez accompagné le président de la République à la messe de l'évêque, diocèse de Mbujima. Après son discours, tout le monde en parle. Félix Tshisekedi, petit à petit, devient dictateur parce qu'il ne veut écouter personne. Quelle est votre réaction personnellement parce que vous étiez avec lui à la tribune? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent par dictateur. Il n'est pas dictateur, à mon humble avis. Il n'a fait que dire ce que la plupart d'entre nous pensaient tout bas. Il a dit clairement, dans ses mots, avec toute la gravité nécessaire. Mais il y a peut-être un mot qui a échappé aux gens, c'est que ce discours, ce qu'il a dit, est une mise en garde. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est une mise en garde, il est le gardien de la nation. Il ne peut qu'agir en bon père de famille pour remettre de l'ordre s'il sent qu'il y a une dérive qui est en train de se mettre en place. C'est une mise en garde, et bon, on va évoluer, on va voir. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de se plaindre. Là, c'est dans votre langue locale. C'est vrai que tiens à Moussombela Kouetuto, Kouetumou, famille depuis le bas âge, Tchakula Tchilouba. Et Kouetou Dikoutou, donc je ne peux que parler la langue maternelle, comme on dit. Sénateur Moudjoumouenda Oudjoukou Tchinsans, Oudjou représentait ma province au sein du Sénat. Par ma vacance parlementaire, sénateur Oudjou Mokoupingana, mon province Wenda, là où il a été élu, a Oudjou Mokoutouma Bantu pour avoir ma écho, il y a Malo Adjapita. Mais ça ne veut pas dire que Djumou a abandonné province. Djumou est un Wakwakui la province, Koutoudiakou au niveau ou au gouvernement central. Ba député provincial, Wabumou Djumou, mon province, Djumou Basombela, et moi Djumou Benzela Moudjumou. Donc il n'y a pas question d'abandon de la province. Djumou Djumou Kola. Tu dis Tchakouila, Tchakouakouila, province ouest ou Kouchinsasa, que tu en as caillé tout à travers la République,
priorité et dit miabayance. Ou dit une vite à dire mon est qui vous ou dit ma problème humanitaire à travers toute la République. Aujourd'hui, nous avons atteint 27 millions de déplacés au sein de la République. Il y a plus de 22 millions de personnes qui vivent dans une crise alimentaire aiguë à travers la République. Moudi moudi wabou ni priorité di mia bayonso et tout dit ni chakou défendre bamou sokweto pour qu'on puisse aussi mettre les fonds nécessaires batoto pourquoi ta moudi. Wasanga ni kasai bichi ti jingamba kwenza nchinga ni boku jula mpala wa kasai. Moudi moudi wabou balo adi abou ni kasai moudi détérioré bicol hein. Président de la République, au cas du Mouban, à Midjumou, tu dis, tu vas mon ami Djumou, il y a un gilet du Boubenza. Il faut qu'on ait un Midjumou, il y a agriculture. Vous m'avez dit, Tony, qu'on quoi dit, moi, vous dis, Boubenza, ma plantation. Tout dit, Fabou, il y a un chef de l'État, beaucoup m'ont rappelé à tout moment, Midjumou, il y a un Tchakouenza, Kouetoukou Kassai, Kouetoukou Joula. Province suite. Difficulté, il dit, il y a Bouni, c'est connu. Tout dit, il y a peut-être bon son. Je trouve ma maman faisant ça, mettre la main à la pâte, boiter tout, pour relever. Province suite. Quand vous êtes en train de mourir, vous êtes en train de mourir. 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 Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Comme il y a n'en parlons pas. Il y en a plein. Donc, quand on a un peu de temps, on va travailler. On va être bien. Voilà. On fera le nécessaire. Mais il y a que là, entre aussi les différents candidats. On va être manière entre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une entente dans l'intérêt du territoire. Très bien, nous avons eu un et après, quel programme au Dinel? Qu'est-ce qu'ils ont comme bilan? Il y a tout ça qu'il faut voir. Mwenye nukai ujinenda buwa jujula ya sosiete yonu kubwati mfumwaditu ngangudu tompanda ufumulayeni niya jula niba ni lelu niya bajanu bingi ni chichikenge jipo kwenye nchingani Malo nsuka batuba shila mfumuka yenda to mfumuka na mwakwikala partu to uju umuleja disponibilite wenda kajinenu penu bana ba province bajibu benza mujimu mwabao ba depute bantu konso ifo kuapuye demarche buwa pour résoudre le problème, il faut un plan crédible. Le plan crédible, ça demande nécessairement ma financement. Nous disons que la République a introduit quelques difficultés au plan financier. Nous disons que suivre mon chien, nous disons que moi, dit tout le monde, pourquoi là? Tout le monde, pourquoi? Budget pour 7 milliards et encore c'est dans l'exécution on arrivait à peine à 5 milliards et demi Tony Koufika mou 16 milliards mais tout en la moitié mais exécution il y a un budget une vite du vous battez là du côté de l'est donc chacun doit mettre la main à la pâte tout dit une toile chapeau que bas financement et du moins couloir pour miba ou à tête ou quinza pour relever la société, pour faire Chabantou Midjumou et aller de l'avant. Quand tu es sénateur, depuis 2018, c'est le mandat que tu as fait. Tu as fait le bien de la société, au Sénat. Bilan bien. Sénateur, il faut qu'on comprenne, du moins, sénateur, j'ai dit tout à l'heure. Sénateur, quel est mon exécutif toi? Qui n'y a eu du enza midi mouto. Sénateur, n'y a eu du ou l'ombre, ou enza pression,
voulu déjà badiba exécuter midiumo bokwenza midiumo ayi bimba. Non seulement Moussena, tout dit bah discuter bien bouni bamba malo bouni par rapport au plan yamiba pour suivre maladie nzeka munda moi province, mais aussi bokuyekela nyimfumwa ditunga wa malu aji mwa kwenzeka kuneko ki chana natoka aji mfumwa jitunga munga ngata munda mwandeka wenda batetu kulwa toni kuneko. Vous en avez parlé tout à l'heure, panchi vuku primature midimu ituvu benza tuji keko nana mbole bwa mbala wa chitolu to tuvu mfuta mfalanga bwa kwela bubak na shoko kuku katanda queen minda itu dinai lelo que ce soit en Bujimai ani dans le territoire minda ya solaire mutubu bayibikila tu dis belle avec l'impulsion bien sûr wa chef de l'État tetu kutuma société wa bendien kuneku avec 750 lumières publiques solaires kumbujimai et 50 dans chaque territoire, il y a Mukasai oriental, Lupatapata, Miabi, Katanda, Kabeya, Kamwanga, partout, on a pu mettre ça. Voilà les travaux utilitaires. Mais, quand nous faisons, même si nous faisons, nous faisons, nous faisons politique, nous faisons, nous école à Étienne Tshisekedi. Quand tu te trouves là, bienvenue. La parole est rare, mais on pose beaucoup d'actes et on fait beaucoup de choses. Pas nécessairement à dire en public. Dernière question pour moi, peut-être, pas pour les autres. En français, Sami Badiba Ngantita, Félix Tshisekedi, est-ce que le courant passe? Quelle question! Pourquoi voulez-vous que le courant ne passe pas? Le courant a toujours passé, le courant passe et le courant passera toujours. Nous vous remercions. Merci à vous. Nous vous remercions. Merci à vous.